d'arriver à l'aéroport et de faire genre 13 degrés. Je suis en PLS avec le froid. Je suis à Londres, il fait 7 degrés. Plus 120 ans à Gdansk en Pologne. Voilà, donc j'ai repéré mon bus. Je vais le choper. Un petit café pour affronter le froid. Et voilà, on y va. Côté cool, quand on prend un avion pas cher, c'est que l'aéroport de la correspondance est à l'autre bout de la ville. Et du coup, je paye plus cher mon billet de bus pour aller dans l'autre aéroport que mon billet d'avion. On l'a de voir. Bon, je viens d'arriver à Luton, la température extérieure doit être de 3 ou 4 degrés. Du coup, j'ai 6 heures à attendre dans cet aéroport, du coup je vais visiter et repérer la porte. Bon, alors maintenant je suis en Pologne, troisième pays, et je vais rejoindre Tristan en centre-ville. Je n'ai aucune idée d'où je vais, donc je vais tout droit, je suis les gens et on verra bien. Je décède. J'ai pas du tout pris des vêtements pour, surtout que j'étais aux Canaries, du coup c'est pas du tout le même climat et je suis officiellement en train de mourir. Et attendez, là c'est discothèque. Genre on descend dans le métro pour aller en boîte. C'est trop beau. C'est trop beau. Il fait moins 100, mais c'est trop trop beau. Recrovailles, le meilleur. Tristan, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais ouais, mais direct. Est-ce que genre c'est pas un des endroits les plus stylés au monde pour vous trouver? C'est tellement improbable. Dans cette ville, tu connaissais pas il y a deux semaines. Il y a 20 minutes. On sait toujours pas les faire. Voilà. Ouais. On est où, Tristan? Là, on est à Plougastel d'Aoulas. Est-ce qu'on vient pas de voir une gaufre au chili con carne et un truc au kebab? Ce pays n'a aucun sens. C'est génial. Ouais, ça marchait dans le multiculturel. Alors, après avoir dit que c'était. Petit update. Après avoir dit que c'était compliqué et que c'était complètement devant, nous allons goûter le fameux choco. Parce qu'on peut pas résister. Il faut vraiment qu'on puisse. Thank you.
Ça ressemble un peu à un mélange entre une ville du sud de l'Angleterre et Amsterdam. Cette ville, quoi, je vais te dire. Mais regarde pas ça, tout est trop beau. Même les petites rues, tu sais, enfin tu te dis qu'il doit y avoir des petits parcs géniaux à découvrir si on avait plus de 2 heures. Non, c'est que la wifi est dans la rue. On est quand même dans un pays un peu moins développé que la France, et ici il y a la wifi. Nous, c'est même pas envisageable. Non, mais regarde-moi cette rue, quoi. On prend une coloc à Gdansk. Ouais. Parce que vraiment, cette ville. Moi, j'arrête de médecine et je viens ouvrir un magasin de bijoux. Un magasin de bijoux. Voilà. C'est pas comme si t'avais genre 17 concurrents dans juste cette rue. C'est très jeune, tu vois. C'est vrai, voilà. Aside from my soul.